Si vous avez besoin de moi, là, j'ai rien qu'enlever ça, puis je suis paré, hein. Ah ben, si vous aviez ça dans le bras, papa, vous pourriez peut-être nettoyer les tables. On n'a pas eu le temps, matin. Bon, on va voir à ça. Vous pourriez peut-être faire un petit tour à Porcherie. Il y en a une qui devrait cochonner aujourd'hui. Bon, on va voir à tout ça. Ah oui, puis faites donc passer à Jeannot de faire la limonade, hein. Bonjour, Madame Rioux. Ben, c'est pas pour me vanter, mais ils sont de plus en plus beaux, hein, mes chaussons? À part de ça que ça a pris de suite, la vente des chaussons. Il en reste jamais. Ben ouais, puis comme Lucille Joannette disait l'autre jour, au moins dans nos chaussons, il y a de la confiture. Ah, t'es vraiment bonne dans la pâtisserie, ma tante Matou. C'est pas disable ce qu'on a vendu depuis 2 mois d'un fin de semaine. Laurent, il a comparé, là, avec l'année passée, à même date. Ben, notre chiffre d'affaires a quasiment doublé. Puis le pain d'Hector est pas mal apprécié aussi. Ah, pourvu que ça continue à bien aller, hein. Comment ça, bien aller? Ben, avec Hector, j'ai toujours peur qu'il m'arrive un bon matin puis qu'il m'annonce qu'il va partir comme il est venu. Parce qu'avec son caractère, j'ai bien peur qu'il se fasse pas d'amis puis qu'il s'ennuie pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est pas un homme bien jasant, il est tout juste poli. Mais chut! Parle pas si fort, il va t'entendre. Hey. As-tu vu la petite photo qui est accrochée au mur dans la salle de boulange? Non. Moi, j'ose quasiment pas rentrer. Il me fait assez peur, ton Hector. Mon Hector, ben, bonne celle-là. En tout cas, mon Hector, là. Il a épinglé au mur la photo d'une femme juste à côté du four. T'as bien que c'est sa défunte. Mais il me semble que la photo est un peu ancienne. Ben, tu me rends curieuse, toi, là. Je vais aller voir ça. C'est une belle femme. Ah, plutôt, oui. Mais comme je te dis, ancienne mode. Ça te paraît pas drôle, toi, qu'un homme comme ça vive tout seul à son âge? Ouf! De nos jours, on en voit tant. En tout cas, c'est sûrement pas une tapette. Oh. On vient pas s'installer dans un petit village quand on a des mœurs un peu excentriques. Ah, oh ben non, pour ça, t'as bien raison. Hmm. Puis qu'est-ce que tu veux? Il a déjà été marié. Il a peut-être eu assez d'une femme. Puis ça existe, des solitaires. Ouais. Mais il y a quand même un mystère. Moi, je trouve pas ça normal qu'un homme qui a vécu dans une grande ville comme Québec qui accepte une situation à Sainte-Marie-des-Anges. Tu vois que t'es curieuse d'apprendre ses affaires, hein? Si t'étais restée son assistante, il y a longtemps que tu l'aurais fait parler, ce cher Hector. Ah! Pépère m'a dit l'autre jour qu'il l'avait croisé sur la grande route. Il était quasiment rendu chez nous. Pépère, il fait un grand salut. Il fait un petit signe de tête, puis continue. Léandre a dit qu'il avait l'air pas mal esselé. Ben, on est esselé quand on le veut, si tu veux le savoir. Des hommes libres, là, c'est assez rare que quand ils sont aimables, ils manquent pas de compagnie. C'est bien plus difficile pour une femme célibataire de trouver quelqu'un. Mais t'as donc raison. Hé, ça marche, c'est? Oui, ça va, toi? Oh, pas tout à fait d'accord sur l'emplacement pour construire. Bonjour, ah. Berthe. Bonjour, Marc. On va aller bavarder un petit peu dans le bureau. Bonne chance, hein? On fait l'autre bout de champ après-midi? Ah oui, on va avoir le temps. Ça commence à faire chaud, hein? Ouais. Hop, hop, hop. Hé! Hey! Là, hein? Le bubus! Ah! On sait pas de valeur. Ah. On commençait à mourir de soif. Ouais, mais c'est de la limonade, ça.
fait penser le curé à téléphoner. Et vous êtes sur la retraite. Hein? Ah, oh, ben, il doit vouloir vous parler pour le centre de loisirs. Depuis qu'il s'est taqué là-dessus, il parle plus rien que de ça. Ah, ouais, je comprends pas. Pendant des années, il voulait pas entendre parler des jeunes, puis là, tout d'un coup, il faudrait tout lâcher pour s'occuper d'un centre de loisirs. Je pense que la leçon a été rude. En tout cas, la municipalité est bien prête à faire sa part. Justement, on a eu une assemblée demain soir, votre téléphone. Non, le gros point, c'est de trouver le local. Ouais. Parce que la salle du village, c'est bon pour les réunions, les parties de cartes, les danses. Mais on peut pas faire des ateliers de travail là-dedans. Vous avez pas pensé à l'ancien couvent des Sœurs? Vous auriez bien en belle à faire n'importe quoi, dans ce que vous voulez. C'est vrai, ça? Ah, c'est vrai, c'est une bonne idée. Ouais, je vais voir ça. Mais je me souviens qu'il y a quelques années, quand on a voulu louer ça là, pour faire des bureaux pour la municipalité, on avait trouvé ça bien à l'abandon, puis bien grand chauffé l'hiver. Mais je vais quand même leur en parler, son père. Parce que si on n'a pas les fonds pour acheter du neuf, puis bâtir hein, sur le terrain, il faut trouver une solution. À part ça, que c'est un bâtisseur, elle appartient à la commission scolaire, c'est... Ouais. Je vais voir ça. Ouais, merci, pépère. Patrick? Patrick! Patrick! Il est parti dîner. Hein, bien sûr. Il a filé sans que je le voie. Moins il en fait, plus il est content, celui-là. T'avais fini du four, Hector? À cette heure-ci, si j'avais pas fini, je ferais en retard. C'est pas dans mes habitudes. Oui, ça, c'est vrai. Je dirais même que vous êtes pas plus en avance qu'en retard. Juste à l'heure. Ouais. Ben, je sais pas comment vous faites. Rappelez-vous le peu de temps que vous m'avez assisté? C'était là la valeur de chaque mouvement. On prend un rythme et sans avoir à vérifier tout à fait, on agit toujours dans le même espace de temps. Plus je connais la vie à Sainte-Marie-des-Anges, plus je m'aperçois que les habitants ici prennent l'existence facilement. Faut s'entendre, hein? Le travail sur la terre, c'est important, puis c'est dur, puis ça manque pas non plus. Mais on a toute la journée pour faire ça. Personne ne se garoche, puis tout le monde arrive finalement en même temps au subaguin. Je voudrais pas être indiscrète, mais c'est-il votre défunte, ça? Non, mademoiselle Marthe. Il y a que ma mère qui mérite d'avoir sa place là où je travaille. Ah, oh, c'est donc ça! C'est votre mère? Oui. Oh, c'est une belle femme, hein? Elle reste à Québec? Ma mère est morte il y a bientôt un an. Oh. Elle avait 83 ans. C'est pour ça que j'ai voulu changer de vie, changer de décor. Je m'habitue très difficilement à son absence. Il me semble que je la vois, que je l'entends tout le temps. Hector, fais ci. Hector, fais ça. Hector, tu devrais faire ci. T'as oublié ceci. Ma mère était une très forte personnalité. Ben, vous lui ressemblez, hein? Je vous remercie. Mais, non, moi, je suis très différent. Oh ben, c'est peut-être que c'était mieux de même, hein, parce que sans ça, vous seriez pris aux cheveux, tous les deux. Me prendre aux cheveux avec ma mère? Ben. On voit bien que vous n'avez pas connu ma mère. Ah, je m'excuse de vous tenir ici à jaser. Ah, oh, ben, surtout, allez pas le regretter, pour une fois que je vous trouvais quelque chose d'humain. Oh, c'est pas ça que je voulais dire. Reprenez-vous pas, mademoiselle Marthe. Je sais très bien l'effet que je fais sur les gens et ça m'est bien égal. L'important, c'est d'avoir la conscience tranquille. Bon, ben, je vous laisse. Je vais chez moi, maman. Ouais. Ouais, à propos. Mmh? Si dans votre famille ou vos connaissances, quelqu'un entendait parler d'une petite maison à louer ou à vendre, bien sûr, maison modeste, vous seriez aimable de me faire savoir? Moi aussi, j'ai pensé à l'ancien couvent en me disant que c'était notre seule chance. Alors, dès demain, je vais téléphoner à la commission scolaire. Ah, c'est pas la place qui va manquer dans cette bâtisse-là. Non. Dans la grande salle du bas, là, il y a tout ce qu'il faut pour faire nos réunions, nos séances, nos assemblées. Et puis, on pourrait peut-être fermer le troisième étage. Ah, c'est une bonne idée, ça. Cet après-midi, Léon et moi, on est allés à Saint-Jacques voir le curé.
Ah, bien sûr, le grand centre communautaire qui s'est fait là, ça s'est pas élaboré seulement grâce à lui. Tous les habitants de Saint-Jacques ont collaboré. Mais c'est pas seulement pour les jeunes, hein. Tout le monde y trouve son profit. Ah oui, il y en a pour tous les goûts, tous les âges. Ah, il y a même un vieux fou de mon âge qui y apprend la sculpture sur bois. Il y a un club de motoneige aussi qui est bien organisé. J'ai déjà été en randonnée avec eux, puis ça a été bien agréable. Ce qui attire le plus les garçons chez les jeunes, oh, puis même les filles, il paraît, c'est le karaté. Ah, bien sûr, le karaté, c'est... Il paraît que c'est une bonne chose. Ça permet aux jeunes de lâcher leur agressivité. Il va falloir payer les professeurs pour toutes ces belles affaires-là. Puis nos moyens sont pas bien, bien gros. En tout cas, on peut commencer petitement. Bien, c'est ça. On va commencer petit à petit. Mais il faudrait d'abord faire quelque chose pour attirer les jeunes. Hein? Ouais. Ben, c'est où ce que je pense, monsieur le curé? Vous devriez mettre toute la population au courant de vos projets. Moi, je vais convoquer une assemblée publique. En espérant qu'il y ait plus de monde que d'habitude, parce que des fois, on a 5-6 personnes. Ouais, mais il ne faudra pas se décourager, hein, puis se laisser aller. J'ai lu quelque part dernièrement que les syndicats, hein, les professionnels, ça, ils convoquent leurs membres là, pour des assemblées d'information. Il y a 5-6 personnes. Oui. Mais vous savez, mes amis, c'est pas facile d'apprendre à communiquer, à parler, à collaborer. Mais je pense que bien souvent, c'est la timidité qui nous retient. Moi, je peux dire que ma grande timidité m'a empêché souvent de faire mon véritable devoir. Alors, j'ai préféré me tenir loin du monde plutôt que d'aborder les problèmes de face. Alors, je vais essayer de me reprendre avec mes faibles moyens et mon peu de naturel pour convaincre les gens. Monsieur curé, je trouve ça beau. Hein? Je trouve ça bien beau. Oh. Un homme de votre âge, là, qui a pas fait tout ce qu'il aurait pu faire, là, là, je vous tire mon chapeau. Non, c'est vrai, c'est beau. Et, moi, là... Oui, ça fait depuis quelque temps que j'ai appris à écouter les autres. Oui. Il a fallu que je vienne près de la mort. C'est vous, sans ça. Mais moi, c'est pas par timidité. Non. C'est par orgueil. C'est par amour des biens de la terre. Oui, on peut pas. Vous n'avez jamais fait de mal à personne. Bien au contraire. Celle-là, papa, elle vous donnera jamais tort. La petite fleur. Je continue. Elle va me faire vivre jusqu'à l'âge de 99 ans. Ben, tant mieux. En tout cas, moi, je le dis à tout le monde. Oui. Quand on parlait à l'âge d'or, là, tout le monde était d'accord. Et il ne suffit pas d'avoir une petite équipe de hockey l'hiver pour intéresser les gens. Non. Il faut faire plus que ça. Là, il faut battre le fer quand il faut. Là, là tout le monde est sous le coup de l'incendie. Oui. Il faut en profiter. Ben oui, vous avez raison. Il y en a une qui va nous aider, monsieur le curé, c'est ma sœur Berthe. Elle dit qu'il faut déjà qu'elle pense que ses petites grandissent. Oui. Elle est prête à faire du travail avec nous. Bien sûr, Berthe Dantin. Ben, dernièrement, elle m'a fait quelques remarques assez critiques sur ma façon de repousser les jeunes. Oh! Il y a Pierrette aussi au couvent. Elle dit qu'elle veut faire sa part. Mmh. C'est vrai qu'elle a plein de bons conseils, ma fille Pierrette. Oui. C'est une psychologue. Ah, oui. Elle a affaire aux jeunes depuis bien longtemps. Bien sûr. Mmh. J'aime autant vous le dire, c'est pas avec les gens adultes là, qu'on va avoir de la misère à faire quelque chose. C'est plutôt avec les jeunes. Ah. Mais comment ça? Ben, vous savez, les jeunes, c'est vrai qu'ils sont pas faciles. Puis... c'est tous des vieux qui organisent leurs loisirs. Ils vont dire que ça va être encore plate, puis que ça va être encore des idées de vieux. Je dis pas ça pour vous insulter, là. Je dis les choses comme elles sont. Tu fais bien de nous le dire, Annick. C'est vrai qu'il faut être bien prudent dans ce sens-là, et puis faire attention à nous autres. Ouais. C'est les jeunes qu'il faut consulter d'abord. Je suis bien content que tu sois là, parce qu'on aurait pu commencer par les adultes, là. Oui. Puis je pense qu'on aurait fait un faux pas. C'est vrai, ça. Ouais, j'ai raison. C'est aux jeunes qu'il faut demander leurs idées puis leur goût. Oui. Et c'est eux autres qui me font le plus peur. C'est bien sûr que c'est en place pour ça. Ah, tu comprends. Comme l'architecte disait tout à l'heure, le magasin, ça serait toute la façade d'en face, là, sur la rue, avec les hangars puis ici, là, en arrière. C'est comme c'est là, moi. Je suis pris pour bâtir à l'arrière de la boulangerie. Puis c'est tout d'un côté. Pour la publicité, ça compte bien gros, ça, des vitrines, ça, surtout avec un beau blanc de mer. Eh, c'est bien bête qu'on puisse pas en profiter, hein. Là, Garoufel, toi qui es au conseil, là, t'es sûr que pour tout de suite, on peut rien bâtir sur le terrain de la Mégadieu? Non, je pense pas. Tout est gelé. Mais appelons Antoine, notre secrétaire. Il y a peut-être moyen de présenter des exceptions ou de demander s'il n'y a pas des cas particuliers. Ça peut être long, ça, avant que tout un chacun ait le droit de discuter de la façon de zoner un village. Je sais bien pas, mais tu sais, ces affaires-là, ça prend toujours bien du temps. Peut-être bien 6 mois, d'autres bien plus. Ben, misère.
On pourrait dire que je n'ai eu des bâtons dans les roues, moi, avec le zonage. Hein? Vous me savez pas dire que ta femme aurait été d'accord pour t'installer sur son terrain? J'aurais demandé de l'acheter ou bien de me l'échanger. D'un autre côté, moi, je peux plus attendre. Faut que je bâtisse au plus vite. Comme je suis là, j'ai pas le choix. Faut que je prenne le terrain qui est de cette année. Parle-en à ton beau-père avant. Il me semble qu'on a déjà eu une demande pour le long de la grande route là, du côté du boucher. Sa mère me souvient pas comment ça finit. Ouais. Ouais, c'est bien beau tout ça, mais les contracteurs, eux autres, sont-ils prêts à commencer? Oui, il y a ça. Bon, écoute, faut que je te laisse parce que je suis déjà en temps, puis ma tante, j'ai Blanchette qui change un tuyau. Faut quand même pas que j'oublie que de temps en temps, ben, je suis aussi le plombier de la place. Ouais. Salut, puis je te reparle en revenant. C'est ça, ouais. Fini votre travail, Mademoiselle Marthe? Eh oui. Comme ça, vous commencez à connaître pas mal notre village. Ouais. Vous vous promenez souvent? Eh oui. C'est ma seule distraction. C'est ma seule façon de connaître un peu la vie qu'on mène à Sainte-Marie-des-Anges. Ben oui. Vous devez pas avoir encore beaucoup d'amis. Peut-être bien qu'il faudrait changer ça. C'est pas facile, vous savez. On peut pas aller chez les gens puis leur dire « Je veux vous connaître », hein? Ah ben oui, c'est gênant, hein? Écoutez, peut-être que vous pourriez venir jusqu'à la ferme Jacquelin, là, chez mon beau-frère. On sera bien contents de vous recevoir. Qu'est-ce que vous en savez, Mademoiselle Marthe? Un étranger, c'est toujours un étranger. Ça dépend des étrangers. Il y en a qui snobent les habitants, faut dire. Il y en a qui snobent les boulangers, vous le trouvez pas? Bon, ben d'abord qu'il vous faut une carte avec des écritures dessus comme invitation. Je vais organiser ça avec les Jacquemins. On est du monde bien facile chez nous. Forcez-vous donc pas, Mademoiselle Marthe. Je suis pas malheureux. Ce qu'il me faut surtout, c'est un endroit où je serai chez moi. Je commence à souffrir énormément de n'avoir qu'une petite chambre chez M. de Carufel. Ah, pour ça, je vous comprends. Mais ça veut dire que... Vous n'avez pas l'intention de retourner à Québec? Non, pas du tout. Je suis très bien ici. J'aime le calme, une grande campagne. Et ces montagnes aussi, qui sont toutes proches. Hein? J'ai décidé de faire ma vie ici. Ah, c'est flatteur pour nous autres, ça. C'est pas les gens du village qui m'attirent. Je vous le répète. La nature. Ben oui. Bon, ben, je vous laisse. Je ne veux pas vous retarder plus longtemps. Au revoir, Mme Marthe.
C'est ça, au revoir. Hey, j'ai dit qu'elle allait travailler sa run. Si tu veux, il me dit qu'il veut pas endurer de travailler une journée de plus avec Bastarache. Mais veux-tu bien me dire pourquoi est-ce qu'il est si mal commode demain, lui? Oh, je sais bien pas. D'après ce que ma tante m'a tout dit, il est trop strict. Faut pas arrêter, faut faire les choses comme il l'entend. Je te dis que j'ai même eu de la misère à faire avec cette run à Patrick. Il dit qu'il veut plus revoir la face à Bastarache. C'est grave. Oh, il est tellement désagréable que moi je pense là, qu'il se force. C'est pas naturel, c'est pas normal. En tout cas, c'est bien drôle, ça. Ben, pour demain, il va se trouver à travailler tout seul. Je pense pas que je l'enchante bien gros. Ben, je pense que la seule chose à faire, c'est de demander à ma tante Matou d'y donner un coup de main. Parce que demain, c'est vendredi, c'est une grosse journée. Ben, dans la pâtisserie, on est pas mal avancé pour pouvoir m'arranger sans elle. Ben, ouais, fais donc ça, puis dis que je me cherche quelqu'un au village. Hé, hey, Laurent, hein? Leur conduirais-tu? J'aimerais ça faire une petite visite à Martin. Il va sortir de l'hôpital bientôt, mais il s'ennuie bien gros, tu comprends? Carré. Je vais laisser petite à maman. On restera pas longtemps à l'hôpital. Qu'est-ce que vous en pensez, papa? Est-ce qu'il y avait d'affaires à tourner autour de la maison puis à regarder dans les fenêtres? Ouais. C'est pas bien, bien grave, ça. Mais il sait pas que je l'ai vu faire. Ben, mais tu dis que tu l'as vu cogner à la porte. C'est bien certain. Il voulait voir s'il y avait quelqu'un. Il voulait pas se faire prendre. C'est rien qu'après ça qu'il a regardé dans les fenêtres. Toi, ma fille, t'as trop d'imagination. Oh. Non, 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 non. Non, tu ne vois pas quoi que M. Hector Bastarache, là, est boulanger puis malfaiteur en même temps. Mais non. Mais c'est pas un homme comme les autres. Toi, je veux savoir, là. Tu y penses tôt, un peu trop. Ben, je vous demande bien pardon, papa. En tout cas, si je pense, je pense pas d'une façon trop tendre, toujours. Ben, c'est comme ça que ça commence. Que c'est qui commence comme ça? Ben, le grand amour. Oh. Ben oui, Matou. Le grand amour.